Clara, tu vas pas me laisser toute seule, ma chérie. Mais non, viens, parce que tu choisiras ton petit déjeuner comme ça. Bah, si tu restes, mamie te fera des crêpes pour ton 4 heures. Et si tu viens, je t'offrirai une glace. Et bah, si tu restes, moi, je te raconterai des anecdotes cocasses sur la rencontre entre ton père et ta mère. Si tu viens, en revenant, on pourra passer par la boutique de jouets. Tu sais, celle que t'aimes bien. Mais reste, on va regarder des dessins animés ensemble en mangeant du pop-corn. Si tu viens, on commande des pizzas ce soir. Et bah, on va aller faire du vélo. J'augmente ton argent de poche. Et bah, moi, je te donne une avance sur ton héritage. Bon, et bah, on te lègue la maison. Voilà, elle préfère sa maman et c'est bien normal. Maman, il faudra une trace secrète pour la maison. Hein. Oui, oui, bien sûr, mon cœur, bien sûr. Gab, je comprends pas. J'ai reçu ça chez moi, mais c'est à ton nom. Ah, c'est ma scie sauteuse. Quoi ? Pourquoi c'est arrivé chez moi ? Parce que je l'ai fait livrer chez toi. Bah oui, comme Isa et moi on bosse la journée, il y a personne chez nous, tu vois. Donc là, au moins, j'étais sûr que t'allais la réceptionner. Mais t'es sérieux ? Je suis pas un point relais, hein. Ah bah t'es mieux qu'un point relais, parce qu'un point relais, faut aller chercher le colis aux heures d'ouverture. Toi, t'es un point relais, slash livraison, slash coursier, tu me l'apportes direct chez moi, donc... Slash me casse. Tu me fais pas signer un papier, là accusé de réception, là, c'est pas pro, hein. Tiens, Mina, tu peux choper le plat, s'il te plaît ouais. Salut. Salut, chérie. Salut. T'as passé une bonne journée? Ouais. Hey, vous savez qu'on peut recharger un portable avec un citron? Est-ce que t'as entendu ça? Bah, c'est le prof de physique qui l'a dit, j'en ai marre qu'on prenne pour une débile dans la famille. Ça va, te vexe pas, mon cœur. Mais bon, c'est un peu bizarre ton truc. Je vois pas comment on peut recharger un téléphone avec un citron. Ah, mais oui, vous avez fait l'expérience de la pile au citron, c'est ça? Non, mais c'est pour vous démontrer que c'est conducteur. Mais je veux dire, tu peux pas recharger un portable avec un citron. Tu vas pas mettre le jus de citron sur le portable. Mais si je vous dis que si, c'est le prof qui l'a dit. De toute façon, vous me croyez jamais. Mais non, mais calme-toi. Oh, mets pas ta parole en doute. C'est juste que. À mon avis, t'as pas bien compris, encore une fois de plus, c'est tout. Si je vous dis qu'on peut recharger un portable avec un citron, c'est en théorie, voilà. Mmh. Si on essaye en vrai, ça va pas marcher, évidemment. Mais en théorie, oui. D'accord. Donc peut-être que ça va pas marcher avec tous les citrons, mais peut-être qu'avec un citron... D'accord, il faudrait que ce soit un citron... Électrique, alors. Je vous déteste. Oh, te vexe pas, Laetitia. On te croit. Oh là, je te jure. Tiens, fais gaffe de pas prendre un coup de bourre en épluchant les patates. Hein. Si on pète le mur, on fait une cuisine américaine et moi j'aurai plus de place. Papa, maman, j'arrive pas à dormir, j'ai trop chaud. Bah, c'est ce que tu fais, tu plantes un éventail dans une banane, ça te fera un ventilateur. Je vous méprise. Bah oui, comme Isa et moi on bosse la journée, y a personne chez nous, je me suis dit que toi j'étais sur le bras. J'ai vu un espèce de tonneau, une voiture, tiens.